François Joubert, en quoi cette centrale géothermique est exceptionnelle? Bah écoutez, donc moi quand je suis arrivé ici, j'ai été très très surpris de l'activité qu'on pouvait avoir ici. Donc c'est une centrale qui a été donc créée et trouvée entre EDF, UBRGM, CFG, suite à des recherches dans les années 50. Donc en quoi c'est exceptionnel, c'est que c'est une usine qui aujourd'hui produit l'électricité sans aucun produit chimique. Et ça, c'est, je ne connais pas d'autres usines ou pas d'autres interférences ou d'autres industries qui puissent être de ce type-là au niveau environnemental et au niveau écologique. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose de novateur, enfin pas novateur certes, mais quelque chose d'important et quelque chose qui devrait être une énergie d'avenir, puisque aujourd'hui, on a quand même cette source importante en Guadeloupe qui pourrait nous permettre d'alimenter à peu près 50% de l'île sans aucun problème s'il y avait des investissements qui étaient faits autour. En quoi c'est vraiment magique, c'est qu'on prend l'énergie de la terre, donc du magma terrestre, pour justement récupérer une eau chaude et la séparer, récupérer la vapeur et faire tourner les turbines. C'est tout simple, il n'y a pas de complications et c'est vraiment, vraiment, pour moi au niveau écologie, c'est vraiment le must à l'heure actuelle. Voilà.